Clara. Pile à l'heure. Je sais, maman, je suis vraiment désolée, ça circule très mal. C'est toujours le cas en cette période de l'année, c'est pour ça que je t'ai fait venir de bonne heure. Je sais. Waouh ! Maman ! C'est tellement beau ! Je crois que c'est le plus beau que tu aies fait. J'espère bien. Je vais être la vedette de Saison Magazine pour Noël. Ah oui ? Waouh ! J'adore ces fenêtres. C'est Bonnie. Évidemment. Salut, Bonnie. Ouais, parle plus lentement. Eh bah oui, c'est Noël et comme toujours, on est débordés. Encore? Ouais. D'accord. J'arrive tout de suite. Maman. Je suis vraiment désolée, mais je vais devoir y aller. Tu perds vraiment ton temps là-bas, ma chérie. On pourrait s'occuper des gâteaux tout à l'heure. Oh non! Ta mère n'attend personne, que tu sois l'aînée ou non. Pourquoi tu crois que ton père était devenu ponctuel? Il était très ponctuel. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Fais attention. Bien sûr. Au revoir. À plus tard. Encore un petit peu juste là. C'est ça. Parfait. Ravie de vous retrouver dans Grosse Tension en cuisine. Nous avons commencé avec 50 chefs super célèbres. Mais il ne nous reste maintenant que 3 candidats. Alors, lequel sera le premier? Mike Mahoney, dont le talent n'est surpassé que par sa langue bien pendue. Mike, on dit la phrase magique. Allez, on va cuisiner. Hey, Mike est dans la place, bébé. Ou Charles Jonesy, l'unique pâtissier qui a les qualités pour atteindre le sommet. Un artiste torturé semblable à ses pâtisseries et desserts. Alors Charles. Ou venant de Manhattan, le chef le plus sexy et le plus célèbre, le restaurateur et célibataire, Shane Rourke. Voyons ça. Allez. Il est génial. C'est incroyable. Nous avons attendu si longtemps pour départager les meilleurs d'entre eux, pour trancher, découper et tamiser. Et maintenant, voici le gagnant. Charles. Comment ça? Aucune idée. Non, ça peut pas être lui. Ce soir, vous avez perdu. C'est n'importe quoi. Vraiment désolé. Je me tire, c'est vraiment de la merde. Et ces deux-là ne connaissent pas la différence entre une pâte feuilletée et un pain viennois. À plus tard, les débiles. Je vous emmerde. Putain. On dit pas ça à la télé. Cette année, Grosse Tension en cuisine a désigné son champion et c'est... Shane Rourke. Ouais, c'est lui. C'est lui. Shane Rourke. C'est lui qui s'est hissé au sommet. Écoutez. Oh mon Dieu. S'il vous plaît. Oh, mais c'est dingue. Ah, c'est une telle source d'inspiration. S'il vous plaît. Si vous n'avez rien à faire, il vous suffit simplement de retourner travailler. Claire... Oui, je sais, mais nous avons une journée chargée, alors nous devons nous y mettre. Et tout de suite. D'accord. Merci. Bon, on en reparle. Oui, vas-y, on en reparle plus tard. Oh, Clara. Tu sais que tu devrais être la patronne. Oh non, je suis ravie d'être la gérante. Ouais, mais ton restaurant à Chicago était classe. Enfin, c'est facile d'imaginer ce que tu pourrais faire ici. Oui, peut-être. Assez parlé de ça. Allons nous occuper des clients. Mais Shane a gagné. J'ai tout le monde aime Shane. J'ai une réservation pour cette personne. Tu peux dresser leur table? Ok, d'accord. Merci. Mais il est mignon. Rodney
bien ce nom, les amis. Shane Rourke, le chef le plus célèbre du pays et le célibataire le plus convoité. Il brise les œufs, il brise les cœurs. Shane Rourke, mesdames et messieurs. Bonjour. Uniquement la partie commerciale. Ah oui, d'accord. Et voici. Merci. Super. Bon appétit. Merci. Merci. Et quand t'as un moment, tu peux apporter du pain à l'ail à la table 3. Oui, bien sûr. Merci. Lara, je t'en prouvais être en retard pour la livraison. D'accord, tu vas y aller en taxi. Parfait. Est-ce que tout va bien? Oui. Un serveur va s'occuper de vous dans un instant. D'accord, merci. Bien. C'est évident que ça ne sera pas facile. Est-ce que tout va bien? Hé hey! On va pas y passer la journée? J'arrive, tout de suite, monsieur. Oh, je suis pas sûre à tu fais quoi, là? J'ai l'impression que ce client te réclame. Tu crois? Je peux avoir deux verres de rouge, s'il te plaît? Merci. Tu ne dois pas appeler la serveuse comme ça. Ne me chute pas. Que puis-je pour vous? Alors, j'avais commandé un steak saignant. Mais il n'est pas saignant. Pourtant, on dirait que tu as apprécié la première moitié que tu as mangée. Ouais, mais je ne l'ai pas aimé. Je suis pas censé aimer mon steak. Clara? J'ai bien peur de ne pouvoir vous garantir que vous l'aimiez, mais je peux vous en apporter un autre. Saignant extra bleu. J'ai gagné! Waouh, eh bien, ce rendez-vous est terminé. Je suis vraiment désolée pour tout ceci. Il y a un taxi dehors, je... Oui. Je reviens dans une minute. Ouais. Je parie que t'es contente d'être là. Je suis aux anges. J'ai hâte de rentrer, je suis épuisée. Je sais, moi aussi. Mais faut que j'aille aux toilettes. Tu viens juste d'aller aux toilettes. Ouais, et je dois y retourner. T'as pas encore volé du fromage dans la cuisine? Si, et alors? Alors t'as une intolérance au lactose? Non, j'ai pas d'intolérance, ça fait seulement des gargouillis dans mon estomac. T'as raison, autant pour moi. Bonne dégustation. Ok, tu peux tenir mon sac? Ouais, dépêche-toi. Ne faites pas attention si c'est pas mon fromage. Ah, eh bien, c'est un beau morceau de gruyère. C'est pas à moi, c'est... À une amie, oui. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour au Thunder Mountain. Merci. Clara. Clara. Exact, c'est sûr. Sur ma chaîne. Oui, c'est ça. Oui. Je vous souhaite une bonne nuit. À vous aussi. À plus tard. Et la clé? Oui, merci. Tout de suite. Tu sais qui c'est? Ouais. C'est Shane Rourke. Shane Rourke. Je sais, je sais. Oui, de l'émission télé-réalité Grosse Tension en cuisine. Il est ici. Waouh, il est encore plus séduisant dans la réalité. Il t'a fait des avances? Oui. Non, Bonnie, ah, mais il a ramassé ton fromage. Aussi accès au parking. Allez, viens. Oh mon Dieu! Vous prenez le couloir qui est devant vous et ensuite vous tournez à gauche et vous arriverez à votre appartement. Super. Thunder Mountain, que puis-je pour vous? Oui.
prochaine, Rourke séjourne dans notre hôtel. En fait, tu sais, c'est pas vraiment notre hôtel. Oh, tu crois qu'il viendra dans notre restaurant? Oui, peut-être. C'est possible. Si j'étais Shane Rourke et que je venais dans notre restaurant, je commanderais quoi? Pizza. Oui, une pizza. C'est vrai, si c'est un mec cool, il prendra forcément une pizza. Oui, oui, c'est ça. J'en suis sûre. Bon, maintenant, il suffit de connaître un peu mieux Shane Rourke. Et c'est ce qu'on va faire. Mais oui, Bonnie. Oh, il est très impressionnant. Votre attention, s'il vous plaît. Noël est maintenant très proche et si on se fie à Thanksgiving, je crois que nous pouvons nous attendre à être deux fois plus débordés cette année. En conséquence, j'ai une annonce très importante à vous faire. Afin de nous aider en cette période chargée et pour avoir des opportunités commerciales, j'ai engagé un nouveau chef, et ce, à partir d'aujourd'hui. Voici le très talentueux, Shane Rourke. Tu peux venir, mon vieux. T'as vu, c'est Shane Rourke. C'est pas un client. Il est chez nous. Je sais que Shane voulait commencer par rencontrer chaque membre de l'équipe, mais nous avons tous beaucoup de travail pour être prêts pour Noël. Donc souhaitons la bienvenue à Shane et faisons en sorte qu'il se sente chez lui. Merci. C'est dingue, j'aurais jamais pensé que... Salut. Salut. Clara, on s'est rencontrés l'autre soir. Oui, bien sûr, la fille au fromage. Oh, en fait, non, c'est moi la fille au fromage. Oui, le fromage était dans mon sac. Ah. Mais peu importe, moi c'est Bonnie. Et vous, Shane. Salut, Bonnie. Oui, Clara, portez mon sac. Ah oui, c'est très gentil, elle. Ouais. Elle pense que j'ai une intolérance au lactose, mais moi non, je crois pas. Bonnie, souviens-toi de ce qu'on s'est dit sur les premières impressions. D'accord. Je veux dire, c'est bien de le savoir si jamais je dois vous préparer quelque chose en cuisine. Ouais. Ravi de vous connaître. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Bonnie. Waouh, non, mais ce gars doit se calmer au niveau de la drague. Ah ouais, il essayait vraiment de te draguer. Je suis ravi d'être parmi vous. Oh, il te plaît, c'est ça. Oh, voyons, sois pas ridicule. Oh, que si, il te plaît, je le sens. Tu sais quoi? Je vais essayer de voir si toi aussi. S'il te plaît, non. Tu peux compter sur moi. Mais j'ai même pas dit qu'il me plaisait. Bonnie! Excusez-moi. Pardon. Désolé. Merci. Oui, on doit faire ça. Très bien, je vous apporte une carafe d'eau. J'aurais besoin des artichauts ainsi que de l'émincé de fenouil. Lancez la sauce au capre. Tu te rappelles comment on fait? Ah oh, oui, oui, bien sûr. Ok, je repasse tout de suite. C'est parti, je gère. Oh. C'est quoi, un cocktail Vendetta? Ouais. D'accord. On peut y aller. Mais alors je te remontre. Tu appuies là. Et oh, voilà. J'en ai marre, j'oublie tout le temps, c'est dingue. Bon appétit. Merci, c'est magnifique. Jim? Excuse-moi, Bonnie. Oui, on a un problème, je comprends pas, à plus trois. Désolée, je reviens tout de suite. Je te laisse. Amuse-toi bien. Je suis trop contente. Santé, Jim. Bonjour. Je suis la responsable. On m'a dit que vous vouliez me voir. Moi, c'est Clara. Ça va bien aujourd'hui? Peut-on vous proposer un autre verre de vin? Oh, plus de vin, quelle bonne idée, Claire. Oh, c'est Clara. Moi, c'est Janice. Et je suis l'autre Janice. Ah. Janice et Janice. Deux Janice. Nous sommes deux filles célibataires en vacances à la montagne. Et on a remarqué que votre nouveau chef est... Shane Rourke. Oh, j'ai bien peur de ne pouvoir vous être utile. Je ne le connais pas très bien. Mais nous le connaissons personnellement. Donc, on se demandait si vous pourriez demander à Shane de bien vouloir venir nous saluer. On adorerait le revoir. Oh, je comprends, mais il est très occupé. Oh, merci.
C'est incroyable, j'y crois pas. Shay. Salut. Salut. Oui. Salut, Clara. Salut, Clara. Salut. D'accord, donc on s'est dit officiellement salut. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment désolée de te déranger, mais j'ai deux jeunes femmes à une table et elles ont demandé si tu pouvais passer dire bonjour. Je leur ai dit que t'étais très occupée, alors... Non, ça va, je vais y aller. Peters dit que je suis jamais trop occupée pour flatter les clients, donc je vais y aller. Super, elles s'appellent Janice et Janice. Comment ? Elles s'appellent Janice et Janice. Deux Janice ? Oui, c'est bien ça. Waouh, ça a l'air intéressant. Ouais, elles sont un peu bizarres, mais elles sont surexcitées de vous voir. Ah, d'accord. Eh ben, dites-leur que je suis très heureux de les rencontrer. Très bien. Ok, merci. J'arrive. Ok. La sauce est là. Oui. C'est bon, on en voit. Mais t'as raison, c'est vrai, pas qu'on leur dirait. Bonjour, mesdames. Salut. Salut. Comment ça va, Shay? Janice. Ravie de vous rencontrer, Janice. C'est un plaisir. Janice. Si je comprends bien, vous avez le même prénom. Waouh, il est tellement charmant. Tu le trouves pas charmant, Clara? Qui ça? Oh, bien sûr, fais semblant de pas savoir. Je vais jouer le jeu. Ah ouais? Shane! C'est pour la suite des émissions. Hein? C'est pour ça qu'on veut absolument bien manger. Tu as raison. Il est charmant. Bonjour, Monsieur Peters. Bonjour, Bonnie. Clara, on y va? Oui, j'arrive tout de suite, Hugues. Hugues? Oui, c'est son prénom. C'est vrai, je croyais que c'était Peters. Tu croyais qu'il s'appelait Monsieur et son prénom? Ça va, ne change pas de sujet. Ça veut dire quoi? On y va. On y va quoi? On va peut-être bien s'occuper de nos affaires. Monsieur Hugues. Écoutez-moi, les gars. Que diriez-vous d'une petite pause? Parce qu'on a eu une grosse soirée. Génial, beau travail. Merci à vous. Et bravo pour l'efficacité, c'était parfait. Merci, chef. Ok, alors c'est bon pour le planning. Oui. Je voudrais te parler de ce projet. Tout ce qu'on a ici, pour le moment... Un petit soda avec des glaçons. C'est gentil. Dites, vous étiez super sympa là-bas avec vos fans. Mmh. Oh oui, elles étaient... Enfin, c'est sûr qu'elles étaient très intéressantes. Ce qui est drôle, c'est qu'elles s'appellent toutes les deux Janice. Ah. Oui. Waouh, c'est... Bah, intéressant. Mmh. Je parie que vous avez un tas de fans féminines. Ouais, en effet. D'accord, je vois où ça nous mène. Quoi? J'aurais dû vous dire que j'ai un petit ami, pour être honnête. Ah, d'accord, oui, je vous remercie. Oui. Il est urbaniste. Il s'appelle Clive. Super. Comme Bonnie and Clive. Bonnie and Clyde, sauf que c'est pas Clyde, c'est... C'est Clive. Clive, oui, c'est ça. Enfin, c'est charmant. Et à propos de vous et Clara, vous êtes amis depuis combien de temps? Oh, on est amis depuis notre enfance. Ah, vraiment? Oui, on a vécu ici, à Thunder Valley. Super. Je suis restée, mais Clara est allée à Chicago pendant quelques années pour ouvrir son resto. Son resto? Ouais, c'était réellement un super endroit, mais ça s'est pas passé comme elle l'espérait. Ouais, ouais, j'imagine. Vous savez, Chicago, c'est une ville difficile. Mais en tout cas, maintenant, elle est à nouveau là, totalement seule et pas de petits copains à qui parler. Donc il n'y a pas d'urbaniste, alors? Non. Non. N'importe qui lui demanderait de sortir, elle dirait probablement oui. Ok. Et qu'est-ce qui se passe avec Peters, là-bas? Toi qui t'en charge. Toi et toi seul. Vraiment? Oui. On est d'accord? Maintenant, il faut qu'on la rencontre. Non, c'est rien. Il se passe rien là-bas. On a dit travail. Enfin, je crois pas. Thank you.
Ce sont des pièces uniques. Elles sont splendides. Je sais. Choisissez votre préféré et faites une offre pour les enchères. Vous savez, chaque année, les artistes de la région nous donnent ces décorations et nous organisons des enchères pour les associations caritatives. C'est une tradition initiée par les parents de Jackie depuis le début. Je vous présente ma magnifique épouse. Oui, Jackie. Et je suis le plus chanceux des maris, Frank Adam. Shane Rourke. D'accord, Shane Rourke. Je parierais plutôt sur un café noir avec beaucoup de crème. Impressionné, hein? Oh, jeune homme, vous n'avez encore rien vu. Le Mountain View est absolument toute notre vie depuis combien de temps, chérie? 22 ans. Hein? 25 ans. 25 années, Dixie, ta patronne. Et croyez-moi, elle a toujours raison. En effet. Dites-moi, Shane, vous n'êtes pas originaire de la région? Non, non, non. Je viens de New York, pour tout dire. Et je me balade à droite à gauche depuis 10 ans et je viens d'accepter un boulot à côté. Au Thunder Mountain. Hmm. Ah, une de nos serveuses préférées travaille là-bas, oui. Oui, c'est le sonnet, c'est ça, hein? Le sommet. Oui, un truc dans le genre, ouais. Elle s'appelle Clara Garrison. Clara, oui, je connais Clara. En réalité, elle est... C'est elle, la gérante. Une très bonne gérante. Oui, elle est formidable. Elle a travaillé ici à temps partiel pendant le lycée et ensuite à plein temps pendant quelques années. Et puis, elle est partie à Chicago. Oui, Jackie et moi, nous n'avons pas eu d'enfants, alors Clara est un peu comme notre fille. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous amène du sommet au Mountain View? Le passé, en fait. Oui, je m'intéresse plutôt aux hôtels à l'ancienne, aux pensions familiales qui existent dans la région. Eh bien, vous avez loupé l'apogée. Au bon vieux temps, il y a eu environ une douzaine de pensions, rien que sur ces montagnes. Nous sommes une des dernières qui continuent à se battre pour survivre. Mmh. C'est très difficile de rivaliser avec les grands hôtels et les chaînes, vous savez. On est encore débordés au petit déjeuner. Oui, oui, grâce à toi. Si nous n'avions pas ces œufs florentines, nous serions déjà morts et enterrés. Ah oui? Vous devriez venir un matin. Mais oui. Bien sûr, avec plaisir. Prochaine galantine. Oui. Oh, d'accord, très bien. Ils ont oublié de vous ramener une bouteille. Je vais changer vos verres. Très bien. Il reste encore une caille au sirop d'érable, une truite grillée, et ensuite, nous ferons le dernier carpaccio de bœuf. Vous êtes encore là? Oui. Je prends de l'avance pour demain. Tant mieux. Oh, je voulais vous remercier pour votre aide ce soir. Oh, non, non, pas de problème. Enfin, c'est plus facile en équipe. Oui, je sais, mais ce soir, c'était bondé. Oui. Et en plus, on est un peu à court de serveurs, alors oh, merci oui, beaucoup. À qui le dites-vous? Donc, je suppose que vous n'avez probablement pas le temps de dîner ce soir. Non, mais ça va aller, je vais trouver un truc à manger. Oh, pourquoi? Mais non, je vais justement me préparer à dîner. Il paraît que je suis pas trop mauvais là-dedans. C'est vrai, ouais. C'est ce qu'on prétend dans le coin, vous savez. Eh ouais. C'est une bonne idée, à vrai dire. Génial. Mais vous avez assez cuisiné. C'est à mon tour de le faire. Vous? Oui. Oui? D'accord. Oui? Il n'est pas question que je refuse. Thank you.
Vous êtes sûr que je peux pas... que je peux pas vous aider? Écoutez, si vous trouvez une bouteille de vin, je m'en plaindrai pas. Je peux faire ça, je crois. Ah oui? Oui. Ça sent terriblement bon. Ça va? D'accord. Ça va? D'accord. Je vous remercie. On prétend que je ne suis pas trop mauvaise là-dedans. En effet, je l'ai entendu dire. Bonnie m'a dit que... vous avez eu votre restaurant. Elle vous a dit ça? Mm-hmm. Mais... c'est un rêve de petite fille qui s'est révélé démesuré. Vous l'avez réalisé, n'est-ce pas? Vous savez, la plupart des gens restent assis à rêver. Écoutez, imaginez à quel point la petite fille que vous étiez serait fière de vous. Super fière. Non, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. C'était peut-être pas le moment, mais ça viendra. Oui, peut-être. Quoi qu'il en soit, me voilà ici, de retour à la maison. À essayer d'imaginer la suite. Il me semble que c'est le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat. Uh-huh. Voilà, ça, c'était mon autre rêve. Comment avez-vous su? Que vous vouliez du gâteau au chocolat? Oui, c'est exactement ce que je voulais. Je vous remercie pour cette soirée. C'était vraiment agréable. Ce fut un plaisir. Et merci pour le dîner. Alors, je vous raccompagne à votre voiture. Ma voiture... Elle est au garage actuellement. Et le dernier bus est parti... il y a une heure. En fait, depuis tout à l'heure, je cherche comment vous demander de façon intelligente de me ramener. Je vais vous ramener chez vous. Merci. C'est là. Waouh. C'est vraiment un bel endroit. Depuis combien de temps vous êtes ici? J'ai pu le récupérer avec ce qui me restait après Chicago. Voilà. Je suis très impressionnée, mademoiselle Clara Garrison. Pourquoi? Le fait que je ne sois pas une sans-abri? Ou... je vis à l'hôtel et toutes mes affaires sont dans des valises. Vous êtes réellement formidable. J'embrasse une célébrité. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien du tout. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. J'ai beaucoup attiré l'attention avec l'émission. Je savais pas que tu l'avais regardée. Non, non, je ne l'ai pas regardée. Ce que je voulais dire, c'est que je suis surprise. Dans le bon sens, mais je non, me sens non, stupide. Non. Je crois que je me suis mal exprimée. Non, non, au contraire. Bonne nuit, Shane. Oh, je crois. Oh, c'est chaud, on va te faire.
un nuage de lait et un sucre. Oh, je te remercie. T'es mon sauveur. Tu es prête pour ce matin? Laisse-moi boire la moitié de ce café et je serai prête. Bien. Ça va? Oui. Oui, bien sûr. C'est bon, je suis prête. D'accord. Allons-y. Ouais. Et voilà. Bon appétit. Jackie, désolé de vous déranger. Franck avait raison, dites-moi. Ce sont les meilleures œufs florentines que j'ai jamais goûtées. Oh, vraiment? Vraiment. Et il s'avère que je suis un expert. Ah oui? Un tout petit peu. Et il va falloir que vous me donniez votre recette. J'ai senti le piment fumé, mais il y a de la farine de moutarde. Vous en mettez une pincée. Oh, 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 j'ai bien peur que ce soit un secret. D'accord. Je vais pas insister. Un peu de café? En réalité, je dois aller travailler. Mais serait-il possible de l'emporter? Bien sûr. En fait, je pourrais en avoir deux, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Merci. C'est la voiture de Shane, non? Hein? Je sais pas. Salut. Mais quelle chance de vous trouver. Janice. Bonjour. C'est-à-dire que j'étais sur le point de partir. Oh, allez, ouais. Vous pouvez bien prendre un deuxième petit déjeuner. Oui, tu vois, la cuisine est parfaite. Shane. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé? Dites-nous. J'ai choisi les œufs florentines. Clara. Oh, Jackie. Que c'est bon de te voir. Et bien sûr, toujours un câlin pour Franck. Ah oui, bonjour, Clara. Oui. Jackie, Franck, voici Hugues Peters, le propriétaire du restaurant où je travaille. Ah oui, je vois le sommier. Le sommet. Oui, ça paraît logique. C'est un plaisir de vous rencontrer. Clara, vous aviez raison. Cet endroit est charmant. Les amis, on pourrait discuter avec vous après le petit déjeuner? Nous avons une proposition qu'on aimerait vous soumettre. Une proposition? Je n'en ai pas eu depuis celle de Franck, qui s'est avérée très bonne. Je la paye pour dire ça. Écoutez, installez-vous et on vous rejoint à pas le coup de feu, c'est d'accord? Entendu. D'accord. Vous désirez un café? Oui, oui, merci. Je t'en prie. Merci. C'est génial de vous retrouver ici. Vraiment? Vraiment, ouais, ouais. Vous logez ici? Ah non, non, non. Ah, vous prenez que vos petits déjeuners. Nous sommes dans la région pour un mois et... Quoi, un mois dans la région? Et voilà deux cafés. Merci. Mais non, rien. Mais non. Janice, je... Quel régime vous conseillez pour perdre 10 kilos? 10 kilos? Plutôt des volailles et... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Vraiment. Ok. J'imagine que vous devez avoir faim. Oh, c'est gentil. Oui, merci, Jackie. Décidément, tu as toujours raison. Ça m'a l'air délicieux. Je te l'avais dit. Vas-y. Ouais, vous savez, je dois vraiment y aller maintenant. Oh, bonne idée. D'accord, une ou deux voitures, chérie. Une, deux, on verra. Ouais, mon sac, faut que je mon sac vert. Allez, dépêche-toi, vite, dépêche-toi. Ah, ma chérie. Alors, on te revoit bientôt. Oh, je vais revenir plus vite que vous le pensez. Je l'espère bien. Si vous avez des questions, appelez-moi. Je serai ravie de vous aider à prendre votre décision. Je vais regarder ça. Et ensuite, Jackie prendra la décision. Oh, arrête, je ne décide pas toute seule. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. J'espère avoir de vos nouvelles. Si notre Clara participe, je suis sûre que ça marchera. Oh, ça me fait penser. Nous avons rencontré quelqu'un qui travaille dans votre hôtel. Oui, Sean... Non, c'est pas Sean, c'est Shane. Shane Rourke. Oui, 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 c'est exactement ça. Oh, alors il était là simplement pour le petit déjeuner? Non, il est déjà passé hier. Oh. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. On se voit bientôt. On se voit bien, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Sean? Non.
C'est chaud. Jeanne, bon sang. Écoutez-moi tous. Comme vous le savez, le restaurant sera fermé ce soir pour le dîner annuel de charité. C'est tout l'esprit de Noël, bien sûr. Mais si cela permet de nous faire un peu de publicité, tant mieux. Ne regarde pas, mais on te porte une attention toute particulière. Ce soir, plus encore. Et c'est pour la bonne cause. C'est tous les ans la même chose. Dis-moi, Shen, c'est une soirée très importante. Ça va aller en cuisine? Vous allez suivre? Ouais, je compte sur toi. Appelez Clara. Coucou maman, t'es sur haut-parleur. Ah, bonjour madame Garrison. Bonjour Bunny chérie. Clara, c'est pour te rappeler notre Noël en famille. Oui, je m'en souviens et c'est sur mon agenda. Est-ce que tu amèneras quelqu'un d'autre que Bunny cette année? En fait, Clive et moi fêtons Noël ensemble cette année. C'est une bonne nouvelle. Maman, j'ai trop de travail pour sortir. Alors tu as Bunny en moins et il te reste moi. Je te signale que ta petite sœur trouvait du temps pour Barry alors qu'elle était à Harvard. Maman. Moi, je dis ça. Je dis rien. Maman, je dois y aller. D'accord. Ne sois pas en retard. Je serai à l'heure. Bye. Au revoir. Très jolie. Oh. Tu vas adorer. Framboise chocolat, j'ai réussi à vous en garder. Vous êtes le diable. C'est tellement bon. Je vous remercie. Je vous en prie. La cuisine est meilleure que jamais cette année. Nous avons un nouveau chef. Oh, c'est fantastique. Honnêtement, mais le meilleur, c'est pas la cuisine. Le meilleur, c'est de vous revoir. Oh, nous sommes impatients de vous retrouver chaque année. C'est si gentil. Oui. Alors, vous fréquentez quelqu'un? Clara? Bon, en parlant de voir quelqu'un... Je reviens tout de suite. Justement, le nouveau chef. Clara vous le dira pas, mais... Je voulais vous présenter ma gérante préférée, Clara. Elle est unique en son genre. Ravie de vous rencontrer. Ravie de vous rencontrer. Le plaisir est pour nous. J'espère que tout se passe bien. Oui, je vais faire un tour en cuisine pour voir si ça va. Bien sûr. Parfait, je reviens. Elle est extraordinaire. Je suis un imbécile. Clara? Oui? C'est possible d'avoir une petite conversation? Je t'ai vue au Mountain View ce matin, avec ces deux femmes qui sont arrivées. Non, non, Clara, c'est pas ce que tu crois, ce que tu crois que t'as vu, mais en fait, c'était... Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de moi. Non, j'étais en train de manger, elles sont venues s'asseoir avec moi, j'ai pas eu le choix. Ouais, t'avais vraiment l'air piégée. J'ai pas envie de me disputer avec toi. Je suis là pour qu'on parle de l'autre soir. S'il te plaît. Merci. Voilà. En fait, je voulais te parler de... ton véhicule. Est-ce que le mécanicien a dépanné ta voiture? Oui. C'était un problème avec l'alternateur. Et elle sera prête dans quelques jours. Ok, génial. Je veux dire non. Non, c'est pas génial. Mais je voulais savoir, tu pourrais... Je voulais t'offrir de te raccompagner. Après le travail ce soir. Non, c'est bon. D'accord. J'imagine que Monsieur Peters peut te raccompagner, lui. Tu sais, Shane. Oui. Je fais comme je veux pour venir ici. Que ce soit en bus, ou que ce soit à pied, ou que je vienne avec Peters. Ce ne sont pas tes affaires, sais, tu entends? Je sais, t'as raison. Je sais, t'as raison, bien sûr. Écoute, s'il te plaît. C'est pas comme ça que je voyais les choses. Est-ce que je peux t'expliquer pourquoi j'ai flippé l'autre soir? C'est pas nécessaire.
Parce que tu as été parfaitement claire. Non, pas du tout, écoute. Être un chef célèbre n'est pas quelque chose que je m'imaginais devenir. Et je t'ai mal jugé, j'ai été grossier. Je voudrais simplement avoir la possibilité de m'expliquer normalement. Tu veux bien... Tu accepterais de revenir chez moi, après le service ce soir? Parce que tu m'as fait à dîner et... Et c'était... C'était fantastique. Je voudrais te rendre la politesse. Je veux dire un jour, c'est pas forcément ce soir. Tu veux bien? Oui. Oui, d'accord. D'accord pour un dîner. Je suis ravie. Moi aussi. J'étais pas en train de vous espionner. Donc tu... Tu vis dans un appartement hôtel. Ouais. En fait, tu sais, c'est temporaire. C'est pas comme si j'étais chez moi. J'ai entendu dire qu'ils ont un super service d'étage. Ah, c'est vrai? Je rigole. Tout a l'air incroyablement délicieux. Est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose? Oui, deux choses en fait. Premièrement, je voudrais que tu te détendes. Et deuxièmement, que tu en profites. Alors, t'es détendu? Oui. Bien. Et est-ce que tu passes un bon moment? C'est le cas. Ah, d'accord. Ça va? Oui, mais c'est super chaud. Je vais devoir... Il faut que... Enfin, bref. Je reviens. C'est magnifique. C'est vrai. Non, je voulais parler de la montagne. Et de la neige. Et des lumières de Noël. Mais pas moi. Et ce « Oh mon Dieu », c'est bon signe ou mauvais signe? La dernière fois qu'on s'est embrassé... En tout, je suis sorti avec 5 filles. 3 horribles, une folle, une autre avec laquelle je suis resté 8 ans. Bah dis donc, c'était une relation très longue. Tu sais, l'émission a montré une certaine image de moi. Mais en réalité, je suis pas comme ça. Je suis pas ce gars. J'ai rien à voir avec lui. Alors quand je rencontre des gens, ils s'attendent à voir cette personne que je ne suis pas. Je sais que tu n'es pas comme ça. Tu me crois ? Bien sûr. C'est la raison pour laquelle je voulais venir ici. Parce que je voulais m'excuser de t'avoir mal jugé. En fait, je n'aime pas ton émission. Non, c'est vrai. Je l'ai vue 2 fois seulement. Et personnellement, je voulais que ce soit l'autre gars qui gagne. Tu veux rire? Ce gars? Il passe son steak au micro-ondes. Au micro-ondes? Quoi? Mais c'est un blasphème.
Alors, pour quelle raison t'es venue ici? Ça peut pas être juste pour une offre d'emploi. Non, t'as raison. Pas uniquement. Quand j'ai fini cette émission, je me suis fait une promesse. Mmh. Être ici fait partie de ta promesse. Mmh. Ouais, c'est ça. Combien de temps tu vas rester? Eh bien, mon contrat dure 6 mois. Mais je travaille actuellement sur quelque chose qui pourrait me faire rester un peu plus longtemps. Ah. Mmh. Peut-être. Je dois d'abord faire un peu plus de recherches. Mmh. Bien. Que tu es mystérieux. Non. Je veux en savoir plus sur toi. Moi? Mmh. Mais tu sais déjà tout sur moi. Je suis une ratée qui se rétablit. Un échec ne veut pas dire que tu es une ratée. Tu as abandonné une fois. Je pense pas que ce soit toi. Mmh. Ah non? Mmh. Alors je suis quoi? Tu es forte et déterminée. Tu es vraiment intelligente. Et tu es tellement belle. Vas-y, je t'en prie. Surtout, continue comme ça. Pour l'instant, tu es parfait. C'est vrai. Alors, disons que tu veux un endroit à toi. Tu veux le construire. Le voir grandir. Si je devais deviner, je dirais que tu comptes à nouveau ouvrir ton propre lieu. Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai, j'y ai pensé. Ah. Quoi qu'il en soit, tu y arriveras. Et ce sera à toi. Et ce sera géant. Ça va pas être un problème avec Monsieur Peters si tu continues à venir ici? Monsieur Peters? Oui. Tu veux dire moi et Peters? Hugues et toi, oui. Non, non, mais c'est juste professionnel. Ah oui? Oui. Oui. Et vous travaillez sur un truc important? Ben, j'ai fait la promesse de rien dire. Tu saisis? Que tu es mystérieuse. En effet. Toi, t'es amoureuse, hein? Je crois que oui. Oui. Oh. Écoute, quand j'ai rencontré Clive, il semblait être le plus barbant du monde entier. J'ai même failli ne pas accepter un deuxième rendez-vous. Puis, j'ai réalisé finalement qu'il n'était pas ennuyeux, mais stressé.
Bien sûr, la plupart des urbanistes sont très ennuyeux. Non, tu peux pas dire ça. Ah si, si, je l'affirme. Mais le fait est que Clive... il est le plus drôle et le plus passionnant des urbanistes que j'ai rencontrés. Heureusement que je lui ai donné une deuxième chance. J'aime beaucoup Clive. Moi aussi. Je sais que Shane n'est pas urbaniste ou quoi que ce soit, mais j'imagine que les chefs célèbres peuvent être drôles. Oui. J'imagine, oui. Allez, trinquons aux chefs et aux urbanistes. Hein? Tu sais le truc le plus dingue? Devine ce qu'il a commandé. Quoi? Des carottes. Vraiment? J'aurais imaginé qu'il aurait pris du daim. Ah non, jamais. Clara? Oui? Puis-je te voir dans mon bureau une minute, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Oula, bureau du principal, tu vas avoir des problèmes. Hein, t'es pas au courant? Je suis le problème. Oui, c'est vrai. Hugues? Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Assieds-toi. J'ai vu que dernièrement, tu as passé beaucoup de temps avec Shane. Oui, mais sur mon temps libre, il y a un problème? Non, non, non. Pas en tant que tel. Je me demande seulement si ça te laisse assez de temps pour travailler sur notre proposition. Est-ce que tu as pu parler au Haven récemment? Oui, oui, bien entendu. Je les vois presque tous les jours au petit déjeuner. Ah, alors c'est parfait. Écoute, j'ai un cadeau pour toi. Oh, quoi? Qu'est-ce que c'est? Juste un petit cadeau pour Noël. Oh, c'est trop. Je n'ai rien pour toi. Ne fais pas l'idiote, contente-toi de l'ouvrir. Ah. Waouh. Il est magnifique. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Tu le mérites, Clara. Je n'aurais rien fait de tout ça sans ton aide. Et si on conclut cet accord, tu pourras t'offrir des bijoux qui feront passer celui-ci pour une contrefaçon. Toutefois, si tu pouvais les encourager un peu, peut-être que tu pourrais accélérer le processus. J'aimerais conclure l'affaire avant la fin de l'année. La fin de l'année? Je crois qu'ils espéraient avoir un peu de temps avant de finaliser l'affaire. Oui, alors, c'était supposé être une surprise, mais je voulais finir rapidement cette transaction parce que j'ai un projet à New York dont je veux que tu t'occupes. New York? Tu veux que je supervise une autre acquisition ou... En réalité, je veux investir dans un autre restaurant. Il pourrait être à toi, disons à nous. Mais comme je m'occupe de l'accord avec les Haven, si on pouvait accélérer les choses, ça t'ouvrirait les portes de New York plus rapidement. Ouais. Ça alors, c'est énorme. Tu sais quoi? Laisse-moi faire. Ils me font confiance et je crois que je pourrais les convaincre d'aller plus vite. J'en suis certain. Tu peux compter sur moi. Oui. Ah, donc? Oui, l'organisation. Alors c'est Bonnie. Ce jeudi, il faudrait l'intervertir. Enfin. Voilà, tiens. Merci. Je t'en prie. Shane, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu fais pour Noël? Je sais pas encore. J'y ai pas vraiment réfléchi, peut-être aller en ville. Oui, je comprends. Tu dois avoir envie de te retrouver en famille. Au fait, tu m'as toujours pas parlé de ta famille. Oui, c'est vrai, je l'ai pas encore fait. T'as des frères ou des sœurs? Non, non, y a que moi. Oh, tu es donc fils unique. Maintenant, je comprends absolument tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me trouves étrange? Non, je rigole. Mais je suppose que c'est une raison de plus pour rentrer et voir tes parents, n'est-ce pas?
Ouais. Il faut que je t'avoue quelque chose. D'accord. Je suis pas censée le dire, mais... j'ai besoin de le partager avec toi. Oui, oui, bien sûr, je t'écoute. Je sais garder un secret. Allez. Tu sais le projet sur lequel Peters et moi on travaille? Bon. Eh bien, ça concerne le Mountain View. Vraiment? Oui, il a l'intention de le racheter au Haven et de le rénover et d'en faire un magnifique hôtel boutique de luxe. Et bien entendu, on garderait Jackie et Franck, mais le top, c'est que je vais pouvoir le diriger pendant 6 mois. Chouette. Non, c'est plus que chouette, non, mais c'est extraordinaire pour moi. J'ai absolument tout supervisé, et là, dans son bureau, il m'a dit que si je parviens à accélérer les choses, il pourra m'envoyer à New York. Oui, mais Peter s'est impliqué pour tes liens avec les Haven, tu crois pas? Eh bien... j'aime à croire que c'est parce que j'ai de l'expérience, mais... oui, les Haven sont comme une famille pour moi. Ils me font confiance. Bien sûr, ils te font confiance. Mais toi, tu as confiance en lui? Pourquoi t'es si négatif par rapport à ça? Je croyais que tu serais heureux pour moi. Non, c'est pas que je suis pas heureux pour toi, je suis très heureux pour toi, mais... écoute, quand j'ai pris le boulot, j'ai passé quelques coups de téléphone. Et... on peut pas dire que Hugues a réellement une très bonne réputation. Quoi? Alors toi, t'as le droit de signer un énorme contrat avec lui et moi c'est interdit. Non, je fais que travailler pour ce gars, d'accord? C'est temporaire. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Clara, je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il t'ait raconté à propos de cette propriété ou d'autres choses, tu n'as aucun moyen de savoir si c'est vrai. Ok? Tu dois pas le croire sur parole. Mais est-ce que tu as envisagé que si tout ça arrive, c'est parce que je suis réellement performante? Bien sûr, tu l'es. Tu es certainement très bonne dans ton travail, mais tu refuses peut-être de voir la réalité à cause de ce qui s'est passé à Chicago. Je suis désolé. Excuse-moi. Ce que je pense, c'est qu'il est sans doute pas honnête avec toi, et je veux simplement veiller sur toi. Tu comprends? Je t'ai raconté ça parce que j'étais vraiment contente. Je n'ai pas besoin de ton approbation, je sais me défendre toute seule. Clara, écoute. Clara, mais attends. Joyeux Noël. Qu'elle a les yeux de son père, non? Je veux vous dire combien je suis reconnaissante de pouvoir réunir tous mes êtres chers pour Noël. Oui, bébé. Ça a toujours été le moment préféré de votre père, et pas seulement à cause de la neige. Rien ne le rendait plus heureux que de vous voir tous ensemble. Peut-être que la maison sera remplie l'année prochaine, n'est-ce pas, Clara? Je plaisante. À la famille. À la famille. Santé. Darlene, pourrais-tu dire la prière? J'en serais ravie. Bon. Seigneur, je te remercie de nous réunir en ce jour et de nous offrir ce délicieux repas pour nourrir nos corps. Au nom du Père, amen. Amen. Merci, chérie. De rien. Très bien, si on attaquait. Barry, à toi l'honneur. Avec plaisir. Merci. Ça va? Alors, Darlene, de nouvelles affaires intéressantes? Je suis sur une nouvelle affaire et c'est très prenant. Je peux pas en dire plus, oui, pour l'instant. Bien sûr. Mais oui. Et où sont les photos du bébé? Ah, on en a une pour toi. Ah, t'inquiète pas. Non, on a beaucoup de photos. Je suis si fière de toi. Oh, je me suis surpassée cette année. C'est vrai. Lydia, comment s'est passée la séance photo de la maison au pain d'épices? Ah, c'était pour Saison Magazine. C'était merveilleux. Et d'après moi, je devrais être en couverture. En double page ou en page centrale. Carrément. Vous savez, faites comme si j'étais pas là. Je vais débarrasser. Ça va m'occuper.
Merci, Clara. Merci. Ouais. Excuse-moi, Barry. Alors, comment ça se passe au travail? Ça se passe vraiment bien. Vraiment bien, mais c'est parfait tout ça. C'est peut-être le moment d'acheter. Oui, oui, on est en train d'y réfléchir. C'est Clara. Eh, hey, salut Clara, on te souhaite un bon réveillon. Clive te salue, Clive dit salut. Salut. Salut Clive. Ok, c'était comment le repas? La famille va bien? Tu sais, mon couple préféré va tellement bien. Alors, tu veux ton biberon, ma chérie? Merveilleux, et c'est totalement en train de me tuer. Attention, ne lâche pas. Il est où, papa? Tu veux pas aller boire un verre? Ouais, bien sûr, mais laisse-moi demander à Clive. Tu veux bien que j'aille boire un verre avec Clara? Ouais. Clive dit ouais. Ok, génial. Je te retrouve là-bas. Se cache où, papa? D'accord, à plus. Tu l'as trouvé? Merci, bébé. À plus tard. Ma chérie? Oui, maman. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. Maman, est-ce que tu crois... Que je serais d'accord pour que tu boives un verre avec Bonnie? Oui. Bien sûr. Merci. Tu sais, Clara, les choses peuvent changer d'un Noël à l'autre. Moi, je dis ça. Merci. De rien, voyons. Allez, va t'amuser. D'accord. On se voit plus tard. Bonsoir. Elle vous attend. C'est ce que je te disais. Je sais, mais je suis pas sûre. On était d'accord, enfin. Mais c'est bien de réfléchir. Merci pour le verre. Mais je t'en prie. Oui, je suis d'accord. Je te remercie d'être venue. Je manquerais ça pour rien au monde. Hé, hey, Mike. Ouais. Tu pourrais nous servir un verre? Oui, bien sûr. Les fêtes. C'est pas une période facile. Et voilà. Merci, Mike. Je vous en prie. À l'amitié et à de meilleurs jours. Santé. C'était genre... Tout le monde est tellement... ravi. Ma sœur avec son parfait petit mari, et lui aussi tellement heureux avec elle, et ils sont incroyablement heureux avec leur enfant, c'était simplement... Je te le dis, Bonnie, c'était horrible. Je suis vraiment désolée de t'entendre parler de tout ce bonheur. Ça craint. Bah ouais. Bon, j'ai peur d'avoir à t'apprendre une bonne nouvelle. Quoi? Je me suis fiancée. Oh mon Dieu. Félicitations. Merci. Oh, ça va? Non, non, tout va bien, t'inquiète pas. Si, si. Non, non, ce sont des larmes de joie, c'est vrai. Je te jure qu'on dirait pas. C'est des larmes de joie, promis. Je suis tellement contente pour c'est toi. Vrai. Vous allez faire ça quand? J'en sais rien. Peut-être au printemps ou... Bah... quelques années, ça dépendra du temps que je mets à confectionner ma robe. Je sais même pas coudre. Ma meilleure amie va se marier à un super Clive. Et je suis amoureuse de quelqu'un qui n'est peut-être pas celui qu'il faut. Ou c'est celui qu'il faut. Mais j'ai simplement tout détruit et plus jamais je le reverrai. À part au boulot... Au restaurant. Et 5 jours par semaine. Plus les heures sup. Ouais. Je vais quitter mon boulot. T'as raison, c'est une très bonne idée. Allô, patron. Ton Noël, comment ça se passe? Bah, mon ex-femme a déposé les enfants à l'improviste et j'essaye malgré tout de travailler. Ah, ça... Ça a l'air... Trop bien. Écoute, j'ai besoin que tu ailles au bureau récupérer quelque chose pour moi. Oui, bien sûr, pas de problème. Je peux tout à fait m'y rendre maintenant.
Alors écoute-moi, ces documents sont dans une enveloppe Kraft. J'aimerais y aller moi-même, mais je suis bloqué ici. Oh, bien sûr, je m'en occupe. Je vais les récupérer et je viendrai à la première heure demain matin. Alors à demain. À demain. Non, 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 terminez les gâteaux. Non, ça suffit. Je te laisse, je dois jouer les parents ici. Non, sans rigoler, ça fait 5. C'est fini. C'est quoi ce coup de téléphone? C'est un secret. Je suis dans les secrets maintenant. C'est pas grave. Bon, tu peux me le dire alors? Peter s'a oublié des papiers au restaurant. Il veut que je lui apporte. Bien, je viens avec toi. C'est mon 4e verre, je peux pas conduire. Je vais demander à Clive. C'est ici que je travaille. Ça va, vous pouvez entrer. Voici son bureau. C'est très joli, j'adore. On cherche quoi, déjà? On cherche une enveloppe Kraft, genre celle-là. Chérie, je crois qu'il est peut-être fermé. Non, il est coincé. Mais Bonnie, enfin! Tu vois? Bonnie, je l'ai. Moi aussi. Non, à mon avis, c'est celle-ci qui est la bonne parce qu'elle se trouve sur son bureau exactement où il m'avait dit qu'elle serait. C'est aussi une enveloppe Kraft, alors je crois que ça mérite un coup d'œil. Ça, c'est... Oh, le contrat de Shane. Il y a beaucoup de zéros. Et là, beaucoup de places de parking. Quoi? C'est plutôt barbant. Ah, non, non, c'est... Ça, c'est notre con. Hein? C'est pas vrai, c'est une blague. C'est à propos de moi? Clive, t'es urbaniste, n'est-ce pas? Certes. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous allions à ton bureau. Yes! C'est trop cool! Non, 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 non. Yes! On n'est pas obligés. On y va tout de suite. Absolument... Ouais. Oh, on a oublié de s'embrasser sous le gui. Parce qu'on n'a pas besoin de gui pour le faire. Hé, regarde qui vient du froid. Joyeux Noël, Shane. Joyeux Noël. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, absolument pas. On adore avoir des invités à Noël. Tant mieux. Ouh, on dirait que tu as besoin de manger. Et si je te faisais un bon sandwich, hein? Ou Franck peut te servir un verre aussi. J'adorerais un sandwich. Ok, je t'en fais. Merci, chérie. Merci, Jackie. Allez, enlève ton manteau et mets-toi à l'aise. Merci beaucoup. Je t'en prie. On va où, déjà? Oh, enfin, Bonnie. Ça va. C'est super excitant. Pourquoi je fais ça? Oh, c'est insensé. Claire, s'il te plaît. C'est une mission secrète, excitante, et c'est pour ça que tu l'as fait. Et aussi parce que tu m'aimes. Là, Clive, t'es obligé de... Chut, on va. Avancez par là. Mais on l'adore. Ouais. Quand je suis arrivé ici, je ne vous ai pas dit ce que je cherchais et je ne vous ai pas montré ça. Oh. Ce sont mes parents pendant leur lune de miel. Cette photo a toujours été accrochée dans notre cuisine. Ils ne m'ont jamais dit où elle a été prise, mais j'étais petit, j'ai jamais demandé. Ils m'ont seulement dit que c'était sur le versant d'une montagne en Amérique et qu'ils y retourneraient un jour. Mais ils ne l'ont jamais fait. Et tu crois que c'était ici? Je sais pas. J'en sais rien. J'ai pu rayer de la liste plusieurs endroits dans le coin parce que la plupart étaient fermés depuis longtemps ou détruits.
Oui, je suis désolée. Je ne les reconnais pas du tout. Bien sûr, ça ne veut rien dire parce que quand cette photo a été prise, mes parents dirigeaient cet endroit. Et moi, je n'y travaillais pas encore. Mais chérie, je reconnais ce coussin, celui-là. Oui, c'est celui qui se trouve juste là. Oui, mais le problème, tu vois, c'est qu'il y en a partout dans la région. Ah. Je ne sais pas si ça peut aider, mais il y a une date inscrite au dos de la photo. Oh, les années 80. Oui, oui, oui. Ah, tu sais, on a eu un incendie ici en 92. Et presque toutes les archives ont été détruites. Sinon, on aurait pu chercher leur nom dans le registre. Sinon, j'espérais retrouver ce bibelot, mais j'imagine que vous l'avez vendu aux enchères de toute façon. J'en ai peur. Wow. Quoi? Voyons, attendez, attendez une minute. Attends, tu vas voir. Prends ça et ça. Oh, c'est impossible. Oh. Je croyais que vous l'auriez. Je croyais que vous l'auriez vendu. Eh bien, oui, c'est ce qu'on a fait, mais sauf celui-là. Celui-là est spécial. C'est celui que ma mère a fait l'année où ils ont construit cet endroit. Et chaque Noël, nous invitait le mettre dans le sapin. Donc, si tes parents sont restés ici pour Noël, on leur a probablement demandé de l'accrocher. Comme ça, nos invités se sentent un peu plus en famille en cette période de Noël. Donc ils étaient là. Et oui, ils étaient là. Alors, Shane, est-ce que tu voudrais l'accrocher ? J'aimerais le faire. Et je sais que vous comprendrez. Avec une invitée. Merci. Ça me touche. T'as trouvé, Clive ? Je viens de commencer la recherche. C'est au nom de Peters. Hugh Peters. Hugh. Ah, ok, c'est ça. On dirait qu'il a fait des propositions préliminaires. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que des immeubles et des places de parking. Attendez, c'est pas du tout ce dont on a parlé. Donnez-moi. Je comprends pas ce que c'est. Je vais t'en faire une copie. Tu pourras les lire dans la matinée. Ensuite, tu devras les détruire. On fera comme si rien de tout ça n'est arrivé. D'accord? D'accord. Très bien. Merci. Vous savez, je vous adore. Bonnie et Clive. On est des criminels. Oh mon Dieu, aidez-moi. Ma chérie, joyeux Noël. Joyeux Noël, maman. Merci. Oh, quelqu'un s'est un peu trop amusé hier soir. Où t'as trouvé ça? Ils étaient tout éparpillés dans l'entrée. Je dirais d'un bagel au saumon. Un petit cocktail. Maman, je suis vraiment désolée. Je te promets que je reviens.
D'accord, je dois faire quelque chose. Pas de petit déjeuner ? Bonjour. Tu as le dossier ? Oh, tu veux dire le contrat de Shane ? Oui. Merci, je dois tout envoyer ce matin. Et il y a ça aussi. Tu n'as pas l'intention de rénover le Mountain View. Tu ne veux pas lui rendre sa splendeur passée. Tu veux le détruire pour construire des immeubles et des concessions et des places de parking. Ce ne sont que des propositions préliminaires. Et où tu les as trouvées ? Tu t'es servi de moi pour approcher Frank et Jackie. Et t'as même pas réussi à le faire. Ils ont appelé ce matin pour me dire qu'il n'y avait plus de contrat. Oui, il s'avère que ton petit ami Shane les a convaincus de tout arrêter. J'aurais jamais dû lui faire confiance. Ce n'est pas mon petit ami et Shane est à New York. C'est ce qu'il t'a dit ? Ouais, on dirait que le Père Noël va se faire désirer cette année. Ah ouais ? Bah tu peux récupérer ton collier ridicule. J'espère que tu réalises que t'es viré. Oh, c'est moi qui pars ! Joyeux Noël! Je te dépose? Allez, viens. Qu'est-ce qu'il est lent, ce train? Comment t'as fait pour me trouver ? Je suis allé chez ta mère, au cas où. Et elle m'a dit que tu étais chez Bonnie et Clive. Et j'y suis allé, et... Ils m'ont parlé de votre virée criminelle de la nuit dernière. Et j'ai deviné où tu pouvais être. Écoute, je sais que ça paraît dingue, mais je suis allé au bureau et il y avait deux enveloppes... Je suis pas venu ici pour le boulot. Je suis venu ici parce que je cherchais une réponse. Une promesse que je m'étais faite à moi-même. C'est pour ça que je suis allé au Mountain View. Et c'est pour ça que j'y étais hier soir. Ce sont mes parents. Leur lune de miel a été leur seule et unique vacance de leur vie. Ils vivaient à New York et ils pouvaient à peine joindre les deux bouts, alors. Pour eux, c'était vraiment difficile. Mon père était cuisinier, dans un boui-boui, et ma mère était serveuse. Quand j'étais petit, j'ai vu à quel point ils se sont battus dans leur travail, tu vois. Mais je crois que c'est comme ça qu'est né mon amour de la cuisine. Quand j'ai commencé à réussir, je leur ai promis que j'allais ralentir et me trouver un magnifique petit coin comme celui où tout avait si bien commencé pour eux. Mais je l'ai pas fait. Il y a 3 ans, ma mère est morte d'un cancer. 1 an plus tard, mon père a été victime d'une crise cardiaque. Et regarde-moi. 3 années trop tard, à essayer de tenir la promesse que j'ai faite à une famille que je ne mérite même pas. N'importe quelle famille serait fière de t'avoir. C'est gentil à toi. Allez, viens. J'ai quelque chose à te montrer.
Viens, suis-moi. Joyeux Noël, les enfants. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Le dîner sera servi dans la salle à manger dans 5 minutes. Maintenant, je voudrais t'offrir ton cadeau de Noël. C'est comme sur la photo. Est-ce que tu aimerais l'accrocher? S'il te plaît. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on m'ait jamais offert. Ah non, c'est pas ton cadeau. Quoi? Non, non, le voilà ton cadeau. Ça m'a pris du temps pour comprendre ce que je désirais pour le reste de ma vie. Mais quand la photo m'a mené vers toi, j'ai réalisé que c'était ce que je voulais. Jackie et Frank sont d'accord pour vendre leur hôtel. Mais à toi, uniquement. Jane, je peux pas me le permettre. Je veux investir. Je veux t'aider dans cette affaire, Clara. Parce que tu le mérites. Tu pourras rénover cet endroit comme tu en as envie. Jackie et Frank ont accepté de rester ici et de travailler pour toi. Je vais présenter ma candidature comme chef cuisinier. Je vais créer une nouvelle carte. À part les œufs florentines. Tu n'es pas obligé de m'employer. Tu ne dois rien faire que tu ne désires pas. Parce que c'est tout à toi. Ça peut être à nous. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je dois t'avouer quelque chose. Je t'ai juste acheté une écharpe. C'est exactement ce que je voulais. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ma chérie, joyeux Noël. Joyeux Noël, mon chéri. Les perturbations très atténuées sur Bonnie. Tu sais, mon ami Mario, qui travaille au téléphérique, il a dit qu'on peut monter avec lui pour skier de nuit. Tu veux y aller? Tu veux parler d'une autre mission exaltante? Oui! Tu vois, je le savais que t'étais pas barbant! Allez, c'est parti, on y va. Oui, oui, maintenant. Bon, ok. Comme c'est doux, c'est le préféré de ta grand-mère, elle l'adore. Elle adore sa tante Clara. Ta robe est très jolie. Chérie, nous y voilà. Il faut que je te parle de quelque chose. J'ai regardé ton émission. Ah, Madame Garrison, il faut que je vous explique. Vous savez, dans l'émission, il y a des personnages. Mais en vrai, il n'est pas comme ça. Oui, je suis pas comme ça. Enfin, Clara, je sais qu'il joue un rôle. Et tu étais excellent, ok? D'ailleurs, j'aurais besoin de tes lumières. Tu vois, j'ai pensé proposer ma propre marque de pain d'épices gastronomique.
Ah. Ouais. Écoutez, je dois avoir 3 ou 4 contacts sur ce marché. Vraiment? J'ai figuré dans Saison Magazine. Oh, c'est pas vrai. Eh oui, elle en parle toujours. J'aurais dû faire la couverture, mais tu sais ce que c'est. C'était qu'une double page, mais c'était génial. J'irai te chercher un exemplaire. Et je vais te signer un autographe. Allez, on travaille. Avec joie, santé. Santé. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année.